l'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa, là-haut, au deuxième étage. Tu peux y monter? Ah, pour la discrétion, c'est raté. Dernier. Défaillance structurelle de l'héritage.
vous crache, je répète. Ou pas. Pour l'instant. Alors au travail, tu dois trouver Gaïa. Je garde ça pour plus tard. Alerte. Zone inaccessible. Ascenseur non opérationnel. Escalier inutilisable. Alerte. Une défaillance structurelle bloque l'accès. Lourd, mais puissant. Bonjour, je suis Margot Chen, et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi.
En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce, pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Quoi donc? C'est vrai, c'est parfois technique. Si Gaïa a été conçue pour faire renaître la vie, pourquoi est-ce que ces robots attaquent les humains? Peut-être qu'elle préfère certaines formes de vie à d'autres. Le dysfonctionnement. Les machines n'ont pas toujours été en colère. C'est vrai. La plupart étaient pacifiques il y a encore une quinzaine d'années. Ça fait des années qu'Héphaïstos oblige les creusets à produire des machines agressives. Je l'ai vu de mes yeux, dans les creusets. Des traqueurs, des ravageurs, un gueule d'orage. Comment il a fait ça? Et pourquoi? C'est une bonne question. J'ai déjà vu des formes comme ça, dans les creusets. Mais oui, c'est là que Gaïa produit ses machines. Ça devrait me donner l'avantage. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobeck. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Ces tunnels sont francs. Bienvenue dans Apollo. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ibadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran.
Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voie le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 étaoctets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique, pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé. Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail.
Alors tout a été perdu. Le plus grand don des anciens. Le plus grand? Après le fait qu'on existe, tu veux dire? Vivre dans l'ignorance est une malédiction, Aloy. Toi, plus que les autres, tu devrais le savoir. Caverne aux merveilles ici. La chance me sourit. Docteur Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom et de l'opération Victoire Pérenne. Je suis le général Aaron Erez. De 2060 à 2066, j'ai été chef d'état-major des armées américaines. Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des États-Unis. Dans le cadre de ma fonction, je m'occupais de la stratégie et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne. Un leurre destiné à tromper la population civile des États-Unis et celle des autres nations pendant les 14 derniers mois de vie sur cette planète. Avant le fléau Pharo, je me dévouais corps et âme à mon métier. J'étais audacieux et ferme, habile en manœuvre politique. Le fait que je sois propulsé à la tête de la plus importante armée mécanique jamais créée n'avait rien d'un hasard. Mais pour quel résultat? Ma seule victoire pérenne fut l'extinction de la vie sur Terre. Et la seule chose que j'ai faite pour me rattraper a été de retarder cette extinction de quelques jours à peine, en provoquant encore un peu plus de morts. J'espère sincèrement que la prochaine civilisation humaine n'aura plus besoin de gens comme moi. Si vous écoutez ce message et que vous faites partie de cette nouvelle civilisation, sachez que je suis désolé.
et que je vous souhaite le meilleur. Avec mes excuses. Aaron, Erez. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube Zéro. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein? C'est juste dingue, en fait. Eh ben, non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez, vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1? En priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser. Pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok. Pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hadès remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant « Essaie encore, fillette, et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. » Voilà, Hadès. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais bon, ça claque, hein. Alors, bienvenue dans Hadès. Bienvenue dans le néant. Ok, mais si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre? Il nous faut plus de données. Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharaon, idolâtré par l'éclipse comme une divinité? Je n'en sais pas plus que toi, Aloy. Continue tes recherches.
pas le choix. Il faut aller par là. Ces trucs, c'est... C'est ce que je pense ? Des utérus artificiels. Des machines construites pour concevoir une nouvelle génération d'êtres humains. Bienvenue dans Illity, la fonction subordonnée. La plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Illity que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Branchard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Illity n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire, j'en suis conscient, au vu des circonstances actuelles, mais... Ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Non. Un rassemblement mondial et stockage provisoire des zygotes, perfectionnement des technologies exogènes, conception et affinement des serviteurs... de manière à assurer l'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront menées de front, sans oublier la construction accélérée de nos différents complexes berceaux autour du globe. Alors, si vous êtes prêts, au travail. Thank you.
Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la Toute-Mer, c'en était un ? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de... registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle disjoncte ? On n'a donc rien appris de nos erreurs ? De tes erreurs, tu veux dire ? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tempe d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre ? Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de M. Farrow est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted ? S'il te plaît, Lisa, fais ce qu'elle dit. On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée. Mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah ? Et qu'en déduis-tu, Gaïa ? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais ? Mais... je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un... chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement ? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien ? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si c'était pour rien ? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment ?
Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Le fichier principal du registre Alpha. Intact ? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends ? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute-mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... peut-être qui m'a mise au monde. Qui ? Tu es vraiment si naïf que ça ? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créée par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créée? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette.